c'est que la Scott, on a été tous solidaires. Alors les gars, on a 45 minutes. Vous voulez pas monter en Ligue 1? C'est la marche de la montée, les gars, on sait tous. On va le faire ou pas? On va le faire. Allez. C'est la reprise. Je pense que la première réaction c'était la joie de tous se retrouver, tous être ensemble, de voir tout le monde en bonne santé. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu pendant 3 mois. Le confinement avait été long. On avait hâte de reprendre. Après on a repris avec tout ça, avec le Covid, les règles sanitaires, tout ça. C'était un peu chiant, les tests et tout. Fallait s'adapter, fallait. Mais bon, on avait hâte de reprendre, de retrouver le groupe, de retrouver le club, de vite retrouver la compétition surtout, parce qu'il y avait un goût d'inachevé. Ça s'est tout de suite senti, on avait tous envie. Dès la prépa, comme tu as dit, on a gardé la même ossature de groupe. Donc il y avait déjà des bonnes bases sur lesquelles travailler directement. Et après, on a senti dès le début que y avait beaucoup de qualité dans le groupe et des petits ajustements, des joueurs qui sont venus nous renforcer. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un groupe épanoui. Je pense que la pilule, elle était passée. Et puis ça va, le groupe, il vivait bien, tu vois. Il vivait bien et c'était. Ça m'avait l'air soudé déjà quand je suis arrivé. Dans un club comme 3, c'est pas anodin. Il me paraissait intéressant pour à la fois la progression du club et ma progression personnelle, voir aussi des joueurs, de pouvoir rester encore quelques années de plus. Et j'ai pas particulièrement hésité à re-signer ici. Pour moi, le stage est vraiment important parce que c'est là où tout le monde va parler avec tout le monde et il y a des activités, on fait des activités où on rigole, où tout le monde se chambre. Et le soir, le repas où c'est vraiment convivial et comme tu l'as dit, il y avait des chanteurs. Entre guillemets, des chanteurs. Forcément, c'est toujours des moments un peu agréables où on se moque un peu des copains. C'est marrant, je pense que ça se fait un peu partout, mais vraiment, c'était très marrant et on en a bien profité. Ouais. Moi, je leur mettais la pression un petit peu. Ça, les gars, franchement, je vous mens pas, la première fois, moi, c'était dur et tout. J'ai bégayé, patati patata. Kevin, il parlait pas trop, il disait non, moi c'est bon et tout, t'inquiète et tout. Et là vient le jour où il passe et je sentais qu'il était sous pression, mais pas autant. Rejoins le zoo dans la suite, l'alarme s'est déclenchée. J'aime le parfum qu'elle met tout le temps, je veux te déranger. J'ai pas fait exprès de faire rire tout le monde, mais voilà. On était toujours ensemble, donc ça a permis de se connaître, de rassembler les plus anciens avec les plus jeunes, tout ça, et surtout, rassembler l'équipe, c'est le plus important. Le stage, j'avais pas l'habitude d'en faire. C'est la première fois là avec les pros. Donc, nouveau groupe. Donc, forcément, il y a un temps d'adaptation et tout le monde te met à l'aise, c'est ça qui est bien dans ce groupe. Ouais, je me rappelle moi aussi de la venue de Lévy, où c'était compliqué pour lui, l'arrivée du Portugal et tout. Et c'est toujours mieux qu'un joueur arrive au stage, qu'arrive dans un vestiaire comme ça, directement à 3. Là, il a vu qu'il y avait de la bonne humeur, il s'est direct fondé dans le groupe. C'était vraiment comme une famille là-bas, tu vois, c'était tranquille, ça faisait du bien d'être là. L'ambiance était bien aussi, donc c'était bien. C'était pas facile parce qu'ils étaient arrivés en retard, mais quand j'étais là, ils ont quand même aidé moi pour être dans les groupes. Le passé, moi ce que je veux voir c'est regarder devant, aller de l'avant avec mes joueurs, aller de l'avant avec ce groupe et surtout peut-être se servir justement du fait que ça se soit arrêté pour essayer de repartir sur de
pas de meilleure base, mais essayer de faire encore plus de choses l'année prochaine et de prouver encore plus de choses et de se prouver à nous-mêmes que la saison qu'on avait fait l'année dernière, elle n'était peut-être pas aboutie et on espérera la finir avec un aboutissement qui ne sera pas le même que cette année. Chers supporters, l'Estac a un message pour vous. Nous avons traversé ensemble une période difficile pour notre société. Une période pendant laquelle l'Estac a montré son implication dans la vie locale. Une période pendant laquelle nous avons renforcé les liens qui nous unissent. Ce club, c'est plus qu'un club de foot. C'est un ambassadeur et c'est un acteur majeur de la ville de Troyes. Le moment des retrouvailles approche. On s'était promis de tous se retrouver pour vivre notre passion. Et partager des moments d'émotion ensemble. Cette saison plus que jamais, nous avons besoin de vous derrière nous. Tous ensemble, vivons l'Estac à fond. Retrouvons-nous au Stade de l'Aube pour défendre nos couleurs et porter haut la ville de Troyes. Peuple bleu et blanc, on compte sur vous. Allez, Estac. Ça va pas être facile, la saison va être longue, mais il faut qu'on dure ensemble. Très, très déçu, très frustré ce soir. Je me souviens de ce but encore avec les supporters, le speaker qui crie. On va tout donner, et c'est ce qu'il nous reste à faire. Hein.